Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 7h du matin. Je recommence les vlogs aujourd'hui. Hier, je vais m'accorder un petit peu de temps de congé pour moi. Mais je suis de retour avec mon chien. Hein? Hier, mon rendez-vous s'est bien passé. Puis je vais vous donner des nouvelles. Inquiétez-vous pas. Vu que mes tests sont super beaux hier, ma pression était super belle. Ben, ils me permettent d'attendre à 38 semaines ou 39 semaines. J'ai un autre rendez-vous mardi pour. Un suivi. Pour savoir si mes protéines vont augmenter en fou. Mais sinon, je vais vivre ma grossesse presque jusqu'à la fin. Je suis hyper contente. J'ai continué de commencer mes trucs, comme faire du ballon, d'exercice, boire de la tisane. Justement, tantôt, après d'avoir déporté la petite madame à la garderie, je vais essayer d'aller m'en chercher d'autres à l'épicerie ou quelque part, parce que là, il me reste juste ça. Mais pas du ballon à café. Hier, j'ai même pas pris de café de la journée pour justement faire attention à mes tensions pis tout. On va se préparer du Kimmerton. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mon panier d'aide alimentaire. Puis aujourd'hui, je vais aller acheter quelques petites choses. Puis maman, je sais que le fromage est en spécial au IGA, il y a des raisins. Sauf que hier, on n'avait pas eu, on va vous dire franchement, on n'a pas eu grand chose dans notre panier. J'ai eu une boîte de beignes. J'ai eu du pain. Bon matin. Sans sucre. Encore des copes de confiture que j'en ai déjà. Il y avait des bartons. Pour ma fille qui avait l'autre. Puis, il y avait full de paquets de Tylenol, d'Advil, de Remesinus, de Nesquil, de Buckley pour le saison de la réunion. J'ai des petites boîtes. Mais je pense que je m'en suis pris une dizaine pour faire une réserve parce que on sait que la saison des rhumes s'en vient et que ces pilules-là coûtent cher. Là, en ce moment, je peux pas les prendre parce que je suis enceinte. Mais j'accouche dans 2 semaines. Fait que. 1 ou 2 semaines. Fait que j'en ai mis en réserve en haut et en bas. Puis moi, ben, justement, je l'attrape. Changement de température, ma fille qui va à la garderie puis tout. Fait que. C'est pas des grosses boîtes, là. C'est des petites boîtes, hein. Je vais aller ouvrir la porte de ma fille, ça sera pas bien là. Pauvre au chocolat. Ensuite, j'ai eu un rôti d'œuf braisé. Dinde. Un truc comme ça. On sait pas c'est quoi, mais bon. Ensuite, un morceau de. Des pilons de poulet. J'ai reçu une tête fromagée, on dirait comme des crotons, puis des saucisses. Je vais préparer le déjeuner de ma fille, puis je vais vous montrer le restant de mon panier d'aide alimentaire. Peut-être quand je vais revenir d'aller la porter de la garderie. Ou juste après y avoir fait ses gaufres. OK?
J'espère que vous allez bien. Il est présentement 8h22. Puis, je viens d'aller porter ma fille à la garderie. Puis là, ben, je m'apprête à aller faire vraiment quelques petites commissions. Je vais aller chez Maxi, je vais aller mettre de l'essence. Je vais. Ben, basic, là, rien d'alarmant. Je dis, je vais. Parce qu'hier dans le panier d'alimentation, j'ai pas eu ben de choses non plus. Il n'y avait pas hyper de choses de stock parce que là, ils vivent sur les dons. Ça va aller aux fêtes qu'il va y avoir plus de dons avec les paniers d'aliments. Les paniers de Noël. Mais moi, je vais donner des choses dans mon panier de Noël, là, c'est sûr. Parce que. J'ai des choses que j'ai reçues hier que je ne mangerai pas, mais au lieu de les perdre, je vais les porter dans les épiceries pour les dorés. Là. Comme hier, j'ai reçu des flocons de poulet et des flocons de jambon. Puis, j'aime pas vraiment ça, ces trucs-là, en canne. Fait que je vais aller les porter. Je les ai gardés, ils sont bons jusqu'en 2024-2025. Fait que c'est ça. Sinon. Mais que je revienne à la maison. Je vais pas au Costco aujourd'hui parce que j'ai pas assez d'argent. J'ai seulement eu 360 aujourd'hui de mes allocations. J'ai payé ma travailleuse sociale de la séance de v'là 2 semaines. Ouais, c'est quand même 110$ la séance, mais j'en ai vraiment besoin. Puis ça me fait tellement du bien de lui parler, de lui raconter. Puis surtout dans le présentement, dans les derniers mois, j'ai vécu quand même. Beaucoup d'émotions dans la semaine qu'on vient de passer. Puis il m'en reste encore à vivre, c'est pas terminé. J'accouche en 1 ou 2 semaines. Fait que j'ai besoin de ma travailleuse sociale. Elle me fait du bien, que vous voulez. Si quelqu'un te fait du bien, garde-la. Un matin, je me suis préparé un café. J'ai fait du café à la maison. J'espère que ma maman va le voir, mais je pense pas qu'elle va le voir. Elle va s'en faire elle-même. Mais, ben, bon. Il aurait fallu que j'y laisse une note. Hier, j'ai reçu un texto disant que j'ai mon suivi de grossesse le lundi à 2h. Mardi à l'hôpital, mais je sais pas si il va falloir que je l'annule finalement à l'hôpital ou pas. C'est touché quand même. Et dans l'après-midi, le matin, j'avais un rendez-vous pour chez Antirouille Métropolitain là, pour faire l'antirouille de la voiture, mais je sais pas si je vais y aller. Je vais peut-être annuler mon rendez-vous. Dans la soirée, j'ai ma rencontre avec Triple P. Je vous dis que dans la dernière semaine, les rendez-vous, il y en a, elle n'a plus fini. Je suis contente qu'on soit vendredi aujourd'hui, que mon chum finit de travailler aujourd'hui, puis qu'en fin de semaine, on va pouvoir passer la fin de semaine en famille. Mais comme je vous dis aujourd'hui, là, je m'en vais faire des mini-commissions. Il y a quelques rabais intéressants chez Provigo. N'a pas autant que la semaine dernière. J'en ai profité un peu de la semaine dernière, comme les patates pis tout. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des framboises à 1,99 et j'allais m'en chercher. Parce que j'ai pas grand fruit. Puis moi, j'aime ça manger des fruits. Il y a d'autres légumes aussi. Je pense du brocoli, on m'en souvient plus par cœur, mais il y a quelques petites choses intéressantes. Je vais racheter du lait. Parce que hier, je m'en suis fait donner un lait, mais c'est un lait 2% congelé qui était bon jusqu'au 18, qui était mercredi.
Je vais l'utiliser pour cuisiner hein, quand c'est bon de quelques jours. Puis c'est du 2%, mais je ne donnerai pas ça à ma fille. Mais comme dans les recettes, c'est correct. Hein. Je pense pas cuisiner bien, bien d'autres recettes si que Laura va arriver parce que c'est comme. Ouais. C'est comme la première fois de ma vie que je vais vivre ma grossesse presque à terme. Je veux dire, j'étais à terme depuis hier. Mais quand je dis presque à terme, c'est que s'il me déclenche à. Il me déclenche à minimum 38-39, fait que c'est quasiment presque à terme. À terme, ma due date, là, c'est le 9. Fait que c'est soit le 26 ou le 30, le 2 novembre. Environ. Mais je sais pas si je vais être capable de donner des bonbons, mais bon. J'en ai préparé d'avance, pareil. Je les ai mis dans une boîte à couches. Je vais en préparer d'autres aussi pour que ma maman puisse les donner, que j'ai quand même décoré. Je n'irai pas enlever toutes mes décorations dans le room pour le fun parce que je vais accoucher. Là, aujourd'hui aussi, après d'avoir été au Maxi, je vais aller au IGA. Comme je vous dis, il y a du fromage en spécial. Je sais que les raisins sont en spécial aussi, puis j'avais acheté des bons raisins la dernière fois. Ils étaient tellement croquants, puis j'aime tellement ça, moi, des raisins croquants. Je vais aller voir. Après, je vais aller au Dollarama voir si on a des trucs d'automne. J'en ai quelques-unes pour ma fille. Mais il y en avait une qu'elle avait, puis que je suis plus capable de la retrouver dans son sac. Je vais regarder son sac à soir, là, vraiment comme tout le monde. Puis mon autre sac que j'avais pour les premiers temps. Sinon, peut-être acheter un sac ou deux de bonbons d'Halloween pour refaire d'autres sacs. Puis, c'est ça qui va être ça. Puis, je retourne à la maison parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir rester tranquille. J'ai ma rencontre avec ma traversée à 11h. Mais, j'ai aussi des téléphones à faire pour trouver un garage à proximité. Je vais pas aller à l'autre bout de la ville, mais un garage à proximité pour faire réparer le muffler qu'on a perdu il y a 2 semaines. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour de l'épicerie à la maison. Je vais vous montrer vite vite mon épicerie. Ça m'a coûté 125$. Je n'ai plus rien de gratis aujourd'hui. Puis après ça, je vais me faire à dîner. Puis pour dîner, je vais me faire une salade avec plein de légumes, puis de fruits, puis de fromage. Ça va être délicieux. Puis mon rendez-vous est dans 30 minutes. J'ai un rendez-vous à 11h avec ma travailleuse sociale. Je viens de mettre mon iPad à charger. Mon frère, il y avait quand même des bons rabais, même si ça me coûtait cher. Finalement, je suis allée juste chez Maxi. Je suis pas allée ailleurs.
J'ai acheté des framboises, c'était 1,99 le pinceau de framboise. Fait que j'en ai pris 4. Ça valait la peine. Je vais m'en mettre un peu dans ma salade. Des œufs, c'était 2,98. J'ai acheté du fromage feta parce que j'aime tellement ça dans mes salades. Des strudels pour déjeuner pour moi et ma fille. Je sais pas si elle va en vouloir, peut-être pas. Le yogourt préféré de ma fille, c'est le Nano. Il était à 3,33, fait j'en ai acheté 3 paquets. 2 à la vanille, puis 1 aux fraises. Fait je vais en déposer en bas. Moi, j'ai acheté le yogourt Liberté méditerranéen. Il était à 2,88. Puis je l'ai acheté à la fraise. Ensuite, j'ai acheté de la crème sure parce que je vais me faire des trempettes aux légumes. Ensuite, j'ai acheté un mélange à légumes. C'est toujours pratique quand tu manges de la viande et tout. Le fromage était plus cher, là, il était 4,99, 4,88. Oui, GA était à 3,99, donc il n'y a pas une grosse différence. Par contre, le bacon était 3,88. J'en ai pris 2 paquets. C'est rare que j'achète de la viande, rare que je m'achète de la viande chez Maxi, mais là, il y avait des ailes de poulet. Ça me fait 8$ pour un paquet, fait que je vais essayer pour la première fois de faire des ailes de poulet. Ça doit pas être... Je vais aussi me sortir les ingrédients pour me faire une salade. Chez Maxi, j'ai acheté de l'huile de sésame, parce que j'aime tellement ça dans mes salades. Le spaghetti était 88 cents, puis je m'en suis pris un autre paquet. Après ça, du jus de pomme. Et ma fille, je donne que du jus de pomme. Des fois, du jus d'orange, mais elle ne fait pas tant ce jus d'orange. Des mini carottes. Du lait, bien sûr. Ensuite, je me suis quand même gâtée en fruits et en légumes. J'ai acheté beaucoup de ça. Je me suis acheté de la tisane à la menthe. 2 couronnes de brocoli, c'était 88 cents chaque. J'en ai pas fait. Un concombre. Les petits biscuits à l'érable gaufrés, c'est tellement bon. C'était 1,88, donc j'en ai profité. Une mangue. La laitue romaine, parce que ma laitue, elle commence à plus en avoir bien. J'ai racheté du beurre de peanut parce que lui qu'on a, il est pas fameux, mettons. C'est comme la marque maison du Maxi, là, la no-name, mais c'est comme la copie de des petits bonhommes craft, hein, les petits nano craft. Ensuite, j'ai racheté des pépites de chocolat parce que je veux faire une recette. J'ai reçu du lait carnation, puis une recette en arrière de fudge. Je vais en faire d'avance pour Noël. Puis je vais congeler ça. J'ai acheté de la sauce miel et ail parce que hier, quand j'ai fait du riz, j'avais envie de mettre ça. Ma belle-mère, elle en mettait dans son riz. Hein? La sauce miel et ail? Oui. J'ai racheté du sirop d'érable parce que ma fille ne mange que du sirop d'érable. Mais sur autre poteau, ça marche pas. J'ai acheté une bière pour mon amoureux. J'aime ça y faire plaisir, comme ça. Et ma crème à café était sortie au Maxi. Mocha à la menthe poivrée. Mocha à la menthe. Mais ça va être sûrement comme l'année passée, là, que ça va plus goûter le chocolat à la menthe que d'autres choses. Puis ça doit être de couleur chocolat. Parce que je pense que l'autre d'avant qui avait sorti, c'était mocha à l'amande poivrée. Ouais, c'est ça. C'était mocha à l'amande poivrée qu'il y avait avant. Je leur avais même écrit que j'étais déçue et tout.
Je l'ai acheté pareil, là. Au pire, je vais rajouter mes petites pastilles de chocolat à la menthe que j'ai. Blanc ou mon huile. Mon essence de menthe que j'ai ici. J'ai vu ça. Ça m'a intéressé d'acheter des coquilles géantes. Il me reste à faire de spaghetti. Cette semaine, j'ai fait du spaghetti. Fait que, on va manger ça. Un moment donné. J'ai acheté ça en collation pour ma fille. Des goldfish. J'ai racheté du riz parce que ma fille, elle mange du riz. Au moins, on sait qu'elle aime ça. Et une boîte de céréales pour mon amoureux. Je me suis acheté aussi une baguette de pain, j'avais envie de ça. Je voulais me faire du pain au fromage, mais le cheese était trop cher. Puis j'ai acheté au caisse du village des petites tomates qui ont tombé. Deux piments. Des pommes. C'était 4 piastres pour quelques-uns. Et des mini cocombes. Fait que mes mini cocombes, je vais toutes les couper. Je vais les mettre dans un plat comme j'ai fait la dernière fois avec mon piment. Fait que là, je vais me préparer à dîner. Je vais vous montrer ça. Puis après ça, je vais aller m'installer pour mon rendez-vous qui est dans 15 minutes. Je vais aller faire le montage du vlog d'aujourd'hui. Fait que moi, je vous souhaite de passer un bel avant-midi. Puis on s'en parle sûrement après. Ciao la gang! J'espère que vous allez bien. Il est présentement 1h17 et je suis en train de faire le montage du vlog. En fait, j'ai terminé de faire le montage de tous les clips que j'ai importés, que j'ai filmés ce matin. Et le vlog, pour l'instant, il dure 26 minutes 38. Fait que je sais pas si je vais rajouter, mais je vais sûrement rajouter il dure 23 minutes 41. Fait que vous allez avoir un nouveau vlog demain matin de ma journée d'aujourd'hui. Fait que là-dedans, madame. Fait qu'il faut que je sors le sac de piscine. On va sortir le sac. C'est papa qui va y aller avec. Parce que maman est fatiguée. Maman a la méga bédaine. Ça me tente pas d'accoucher non plus à la piscine. Fait qu'on va sortir le sac de piscine. Puis il me reste à mettre. Je vais vérifier le contenu. J'ai ma petite minoune qui fait des dodo. Ma petite minoune. Je vais vous installer là ici en attendant. Un petit peu de maman. J'ai les gougounes. Mes gougounes, c'est pour mon chum. J'ai son costume de bain. Des couches de piscine, une couche. Je vais enlever mon costume de bain parce que ça sert à rien.
Ah, c'est pas moi qui vais y aller. Je vais ajouter un paquet de lingettes, des trucs à lunettes. On va ajouter le costume de bain du papa. C'est papa qui va avec. Son costume de bain. Je vais ajouter son pyjama. Parce que je vais la mettre tout de suite en pyjama. Mettre un peu mes serviettes sont en bas. Fait que je vais aller porter un peu de stock qu'il fallait que je descende en bas. Bon, mon chum me fait du ménage. Eh ben, mon chum a cleané tout son espace de l'atelier. Parce qu'il y avait des trucs qui traînaient. Mais non. Puis un autre pain belge comme ça. Du popcorn éclaté léger. C'est comme une marque bio, je pense. On va y goûter ensemble. Voir si c'est bon. Ma fille, elle en voulait hier. Légèrement sucré. C'est comme du popcorn rose, mais... C'est bon, mais ça sera encore meilleur du popcorn rose. Je pense que je vais tomber dedans. Hey, j'ai vraiment la bédaine dure. Vraiment. Peut-être si vous voulez la voir. Comme ça. La bédaine qui descend. Encore une fois, je ne filmais pas au moment où je parlais. Puis j'ai dit, j'ai hâte de mettre mes décorations d'Halloween. Mes décorations d'Halloween. Une décoration de Noël. Bon. Une serviette. La petite serviette de mini. Pour ma fille. Que je m'installe sur le ballon en écoutant. Je m'installe sur le ballon parce que je veux faire travailler mon col. Voyons, la bédaine. Puis, j'ouvre ma télé. Avec mon sel, je mets l'application TVA et j'écoute Indéfendable. C'est drôle parce qu'en bas, Indéfendable, il n'y a pas de prêt. Pendant 2-3 épisodes, puis il n'y a pas de pub, j'écoute Indéfendable sur mon petit ballon. Mon chum me l'a gonflé hier. Puis, je vais sautiller sur mon petit ballon. C'est ça ma petite séance de sport. Checker la belle télé. Là, ben, c'est le fun. Ils ont sorti une troisième saison de Hot Ployd. Puis, il y a deux épisodes de sortir. Moi, mon chum, on écoute ça sur Amazon Prime.